Alors, salut à tous, encore moi, j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo complète de mon pote Thomas. Mon cher Thomas, je te salue. Alors, attends. Voilà. Alors là, j'ai détecté sur. Moi, ça sera publié ça après, hein. Là, j'ai détecté sur Microsoft. On est monté, hein. On est monté, mais c'était. Je vais pas dire que c'était normal, il n'y a rien de normal en bourse, de toute façon. Une vidéo là-dessus, il n'y a aucune logique en bourse. Alors, ici, on va être plus clair. Donc ici, j'ai détecté, donc, vu l'impulsion haussière qu'il y a eu, la correction, tac, 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 j'ai d'abord détecté, je ne vais pas vous embrouiller, on va faire comme ça, j'ai d'abord détecté un shark, d'accord? J'ai enlevé ça aussi. Détecter un shark qui nous ferait descendre sur ce niveau-là autour des 261, 254. Ouais, je sais, ça paraît fou, mais techniquement, c'est ce qu'ils nous disent. D'accord? C'est ce que nous disent les figures harmoniques. Je reviens sur ce que j'ai détecté ensuite. Donc, ce que je vais faire l'inverse. Je vais revenir ici. Vraiment, TradingView, c'est fantastique comme plateforme. On fait ce qu'on veut. J'enlève ça. Et ensuite, qu'est-ce que je détecte? Je détecte ici un Nenstar baissier. Donc, on pourrait descendre sur la zone ici des 50% de Fibonacci. Je peux pas faire mieux, les gars, hein. C'est un peu à l'arrache, mais sans déconner, le contenu, vous n'allez pas être déçus. Donc, 50% à Nenstar, ça corrige. Général, environ 50% de Fibonacci, donc autour des 312. D'accord? Et le rebond, bah, écoutez, en bas, si on descend, bah, on ira chercher aussi les 312. On peut faire ping-pong, d'accord? Tac, tac. À court terme, moyen terme, bah, la 50 et la 200. D'accord? La 50 est ici, la 200 est ici. Donc elle se situe, la 50, autour des 354 et la 200 ici, autour des 333. Voilà, c'est ce que le loup de Zurich a détecté sur Microsoft. Je vous souhaite une bonne journée, bon trade à tous. Paka paka.